Ok. Et donc, il nous restait juste 3-4 rachis à finir. Ishag, et que du coup, quand on avait dit que le mot rugir apparaissait 3 fois dans le passouk, Arish Locha, du coup, il te dit vu qu'il apparaît 3 fois, c'est de là qu'on a tiré qu'il y a 3 gardes, vu que Dieu rugit 3 fois pendant la nuit. Veisham, ça paraît Imbala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout à l'heure, tu as demandé qu'est-ce que ça veut dire que la femme, elle commence à parler avec son mari. Dvarigia Karov Layom, qu'on est déjà arrivé proche du jour, vu que c'est la troisième garde, ou Vne Adam It Orerim, et que du coup les gens se réveillent, Mishenatan, qu'ils se réveillent de leur sommeil, Veashochvim Yachad Mesaprim Zeimze, que du coup ceux qui dorment l'un à côté de l'autre, ils commencent à parler entre eux, vu qu'ils commencent à se réveiller. C'est pour ça qu'on a dit l'homme et la femme, parce que vu qu'ils dorment ensemble. Donc c'est à l'aube. Non, c'est avant l'aube, du coup, vu qu'on a dit que c'était le début de la troisième garde. Ah oui. C'est le début du troisième tiers de la nuit, si tu veux. Ok. Maïka Hashiv, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il a pensé enfin, on a demandé quelle était la vie de Rabbi Eliezer. Simani Malalou, Shenatan, les Mishmorot, Aaretz, Echanatou, Mitrelat, Hashmorot, Obetofan. Donc, c'était est-ce que ces signes-là, ils ont été donnés pour nous enseigner le début de chaque garde ou la fin de chaque garde? Horta, ou quand on avait dit qu'on a déjà le signe que c'est la tombée de la nuit pour le début de toutes les gardes, c'est quoi Horta? C'est il te dit Tzet HaKochavim, c'est plus particulièrement la sortie des étoiles, comme on avait appris de toutes les discussions d'avant que la nuit commence à la sortie des étoiles. On n'a pas encore étudié. Zéro. Ok, voilà. Mais parce que tu nous avais dit que les chiens, quand ils aboient, c'était au milieu de la deuxième. C'est au milieu de la deuxième, ouais. Ok. Donc voilà, est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Non, Hachem, c'était sympa. Ok, donc je pense qu'on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vais les mettre sur YouTube dès ce soir. Si vous avez des gens intéressés, pareil, vous me les envoyez. J'aurais quelques questions à poser en privé par rapport à ça, mais. Quoi? J'aurais quelques questions à poser en privé par rapport à ça. Pas de souci, vas-y. Et ouais, et voilà, si vous avez des questions, pareil, vous pouvez voir en privé. Et là. Allez, chazak à tous, à l'heure. Bezrat Hashem, à l'heure.